told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. Salut à tous! Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui. Attention, pourquoi? Vas-y, lui, comment il me passe devant? Parce qu'on attend Boulanger et ils doivent nous livrer frigo et machine à laver. J'ai trop hâte. Ce que vous avez vu dans les vidéos précédentes, on a monté la cuisine, les lanterneaux. Il y a quasiment tout qui est prêt. Donc franchement, on est trop contents, ça avance super bien. On a eu l'adréal ce matin au téléphone. On dépose le dossier vers le 25, entre le 20 et le 25. Et normalement, rendez-vous le 10. C'est ça? De quoi? L'adréal. Le 10 mai. Salut les bandits! On va essayer de l'avoir avant, peut-être fin du mois, je sais pas. On va voir suivant l'avancement des travaux. Fini de m'embêter là. Donc voilà, donc on attend Boulanger avec impatience, ouais. Là. Ils ont dit entre 11h30 et midi 30. Ça serait bien qu'ils tardent pas trop parce qu'après on a rendez-vous pour les passeports. Ouais. Donc ça serait bien qu'ils tardent pas trop. C'est clair. Là, ouais. Rendez-vous. Qu'est-ce que je raconte? Montage frigo, montage machine à laver, et après la cuisine, il faut la finir, après ouais. On n'en parle plus, après on fait les lits et on va faire la pesée. Canapé, ouais. S'il n'y a pas les coussins, c'est pas grave, ils ont ouais, dit. C'est mais, pas grave. Ouais. Après on va faire la pesée. Pesée, essieu avant, arrière et total, mais poids total. Hein. Les réservoirs d'eau pleins, gasoil plein, plein quoi. Donc là on est en fin de semaine et je pense que semaine prochaine, on pourra faire la pesée. Ouais. Les canapés seront faits, je pense. Waouh. Ok. J'aime ça. Il n'y aura pas les coussins. Hein. Non, bah on s'en fiche. Après, les coussins, ça peut aller vite. On peut déjà. On peut déjà les commander. Mais non, on n'est pas encore sûr de la taille. Mm. Mais ça peut aller très vite. Hein. C'est juste la couture, je pense, qui va prendre du temps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est clair. Tu regardes mon beau micro? Ouais, c'est vraiment un joli micro. Allez, on fait ce qu'on a à faire. Et puis on attend Boulanger. Allez, on se prépare. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Du coup, dans la vidéo d'avant, Jérém vous a montré le montage des lanterneaux. On va vous montrer ce que ça donne. Déjà, waouh! Quelle lumière! Non, la franchement. Lumière fut. Ouais. Et franchement, ça fait un de ces puits de lumière, c'est impressionnant. Vous pour voir, vous du coup, j'ai pas encore essayé comment ça fonctionne. Je pense que là, il y a une manivelle, ça doit faire ça. Et tu vois, ça tord un petit peu d'un côté, mais c'est pas non plus super. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, putain, c'est un peu de la camelote, hein. Pour 100 balles. Ouais, franchement, c'est pas normal. Ils exagèrent. Ouais. Donc là, vous avez la petite moustiquaire. Voilà. Et vous avez le petit store. Et on peut mettre les deux en même temps. Ça, c'est trop génial. Ouais. Je sais pas, ça sert à quoi. Je vais vous faire voir celui derrière. Moi. Rien que déjà, il faut que tu montres la lumière que ça fait dans le couloir. Ça apporte une lumière. C'est un truc de... En plus, on n'avait pas mis de lumière dans le couloir, donc là, non, ça tombe plutôt oublié, bien. Non, on avait oublié, c'est vrai. Vous vous souvenez, on avait oublié les bandits. Donc là, on ferme. Regardez quand elle ferme. Regardez, je passe par terre. Ah, il y a des crans. Voilà. Vous avez vu comment ça fait un peu de lumière? C'est hallucinant. Ouais, franchement, c'est top. Franchement, c'est génial. Nickel. Bon, alors, ils arrivent avec notre machine à laver, notre frigo. On fait plus rien depuis tout à l'heure, on les attend. Trépigne. Franchement, c'est trop énervant. C'est chiant.
Ça fait que nous, en fait, on fait rien, on vous regarde. C'est une neuf. Non. C'est bien, ça. Ça fait bizarre, j'ai rien à faire. Peut-être vous réceptionnez d'en haut, moi, non? C'est comme vous voulez. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Oh, don't you go, and I'll just make this bed my home. Oh, darling, please just let me sleep. Give me my dreams. Ça y est, c'est livré, impeccable. On va aller voir tout ça. Et j'adore cette machine, elle est trop bien. Elle est petite, elle a un petit cul en fait. Et c'est bien mieux. C'est bien mieux les petits culs pour les machines à laver. Un peu comme. C'est trop génial! Vas-y, à toi! Bah, lui, il fait ça, lui! Attends, il se la fait à la style! Hey, oh! T'as vu, regarde! Hey, ah! On arrête les bêtises, on y va. C'est bien. Bon, et bien on va manger. Charlotte, elle a fait une petite ratatouille. D'ailleurs, dans le robot qu'on avait acheté comme par hasard à boulanger. Le Miego, d'ailleurs, je vous le conseille. Franchement, ouais. Il est vraiment top. En fait, c'est un peu comme la grande marque, mais beaucoup, beaucoup moins cher. Et franchement, il fonctionne super bien. Donc voilà, ça va donner ça. Machine à laver, frigo. Ici, on aura évier. Donc il y aura un plan de travail qui passera par-dessus, donc ça nous fera un plan de travail ici de 60, un plan de travail de 80. Ici, on aura un plan de travail de 80 et ici, un plan de travail de 55. Donc on a vraiment beaucoup de plans de travail. C'est très important les plans de travail c'est quand on fait la cuisine. Ouais. Et nous, comme on avait la pizzeria, on a eu les restaurants, j'ai toujours bien aimé aménager les cuisines. Et voilà, et on a vu qu'avec l'expérience, avec le temps, il faut vraiment avoir chacun ses endroits pour faire ce qu'on a à faire plutôt que d'avoir un grand plan de travail. Et de faire tout sur le même plan de travail. Hein. Parce qu'on cuisine tous les deux. Hein. Voilà, et voilà, des fois, Charlotte a fait les desserts, moi je fais les entrées, ceci, cela. Et là, on va pouvoir se remettre à faire à manger. Hein. Ça va être top. Et tu vas pouvoir laver ta machine dans cette belle petite machine à laver. Dans mon linge. Franchement. Hein. Je vais pouvoir laver ma machine. Et tu vas pouvoir laver ta lessive. Et tu vas pouvoir laver ton linge. Cette petite machine qui est top. Hein. C'est 9 kilos quand même. Hein. C'est 9 kilos. À la maison, on avait une 13.
Une 13 ou une 15? La même, ouais. On avait exactement la même. Elle n'était pas A++, moins 20%. Non. Et franchement, on en était super contents. Top. Donc je suis trop contente, en plus elle est vachement économique. Et on peut choisir les programmes à froid si on veut lui balancer de l'eau chaude. Ça c'est génial. Faire très attention à ça. Et ce qui était bien, c'est qu'elle faisait que 56 de large parce qu'elle a un moteur induction. Donc si je dis pas de bêtises, elle a pas de courroie. C'est pas un moteur avec un petit pignon qui actionne une courroie, qui actionne le tambour. Voilà, c'est pris directement sur le tambour. Et du coup, ben, elles sont beaucoup plus courtes. Et ce qui me permet de laisser un passage pour mes gaines qui sont derrière et puis mes écoulements et tout. Donc ça, c'est vraiment bien. Et le plan de travail ensuite, bah, il prendra tout, lui. Ça prend forme, c'est trop bien. C'est clair, là, ça y est, il manque plus que le balatome. Ici, limite, la partie, elle est finie. Et on sait pas si on va mettre les meubles hauts, hein. Franchement, on sait pas. On a tellement de rangements dans les meubles, ouais. On pensait vraiment pas avoir autant de rangements, qu'on sait même pas si on va faire des meubles hauts. Là, il y aura une haute, ça c'est sûr. Donc peut-être que comme il y aura la haute, je mettrai un petit meuble ici pour ranger les assiettes et tout. Mais là, ça se trouve, on verra de toute façon par la suite. Pour l'instant, on en met pas. Ouais, pour l'instant, on en met pas. Allez, bon appétit. Trop content. Bon appétit, les bonnes. C'est bon, ça filme. Ouais, c'est parti. Oh là là, c'est quoi ce foutoir? On se croirait chez un plombier. Oh, je vais encore me faire des copains. Alors, donc, on va faire un petit peu de rangement vite fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, il a fallu encore aller acheter des raccords. En plus, il y a eu des raccords dans les magasins qu'ils n'avaient pas. Donc du coup, il a fallu aller dans un autre magasin. Donc du coup, on n'a pas eu les mêmes raccords. Et c'est là où j'ai appris que il y avait des raccords. Non, c'est là où j'ai appris la différence entre les raccords TH et les raccords U. Enfin, pour l'instant, il y a d'autres profils, mais là, voilà. Donc j'ai l'impression que les profils TH, c'est les verts. Et il n'y a pas de joint à l'intérieur, de petits joints noirs. Et ceux-là, ils sont impossibles à rentrer dans mon tube. Alors, est-ce qu'il faut du tube spécial? J'en sais rien. Toujours est-il qu'ils sont super chiants à faire, alors que les raccords U, il y a deux petits trucs, vous emboîtez ça dedans, vous avez le petit truc repère et ça s'emboîte nickel. Heureusement que j'avais la clé qui faisait les avec les deux mâchoires. Enfin bref, j'ai réussi plus ou moins à me débrouiller et je pense que j'ai fait un petit truc pas mal. Oh là là, il y en a partout du bordel. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Alors. Alors regardez mes petits bandits. Oui, tout d'abord, je sais, mes nourrices, elles sont montées à l'envers. Ça, c'est quoi? Bah, c'est une erreur d'inattention, tout simplement. Comme j'ai l'habitude d'en faire. Donc j'ai ma nourrice d'eau chaude qui est en bas et ma nourrice d'eau froide qui est en haut. Et en plus, celle du bas, elle est plus épaisse que celle du haut. Alors que si j'aurais mis celle du haut ici, celle du bas, j'aurais pu la mettre plus basse et celle du haut plus épaisse, ça fait que ça aurait pu passer nickel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous m'avez suivi? Donc voilà. Alors, ça c'est l'eau chaude. Ça c'est l'eau froide. On est d'accord. C'est l'arrivée de machine à laver. Si je ferme l'eau froide et que j'ouvre l'eau chaude, je balance directement de l'eau chaude dans la machine à laver. En hiver, quand on ne peut pas faire fonctionner la résistance qui fait 1500 watts. En été, je peux fermer l'eau chaude et ouvrir l'eau froide. Ça me balance de l'eau froide directement dans mon système. Elle n'est pas belle la vie. Et je peux même régler par l'intermédiaire de mon petit thermostatique la température de l'eau pour savoir à quelle température je l'envoie dans la machine à laver. Est-ce que c'est pas génial? Voilà. Donc là, on va faire un test parce que c'est ce thé-là, j'en ai trop chié. Vous voyez, je n'ai pas réussi à l'enfoncer jusqu'au bout, c'était impossible. Donc on va faire un test et puis on va mettre en eau. Tu vas là-haut, chouchou, et puis tu regardes la machine à laver. Si tout se passe bien, tu vas peut-être entendre un bruit. Enfin, tu me dis si tu vois une fuite, quoi. Tu mets ta tête par-dessus, tu verras, tu vois tous les tuyaux. Ok, okay. Allez, c'est parti, je mets en route. Attention, c'est parti. Donc là, faut que j'aille voir là-haut. Donc là, je mets de l'eau froide. Faut que j'aille voir là-haut. Ouais, faut que tu ailles voir là-haut, ouais. Attention à l'eau. Vous voyez, comme c'est pratique pour accéder au robinet, hein. Bah ouais, je me suis bien embêté, mais bon, même si ça fonctionne, hein, on va pas se prendre la tête. Hein. Tu me dis si tu vois une fuite? Il n'y a pas de fuite? Moi ici, j'ai pas de fuite, donc je te rejoins là-haut. Alors, attention, le grand mystère. Enlève ce qu'il y a dedans, on sait jamais. T'es sûr qu'il n'y avait pas une notice? Ah si, il y avait ça. Donc, elle est en eau, ça fuit pas? Ça fuit pas? Je vois rien. Ça fuit pas, c'est nickel? Ouais. Pas bon, bah impeccable. Ouah, la classe! Attends, c'est trop beau! Je le savais, moi, je l'allumais tout à l'heure. Bah ouais, et regarde, là, tu es en programme coton. Là, tu appuies ici et tu choisis. Tu fais. La notice. Il y a un programme coton et là, tu choisis ta température. Écoute. Regarde. T'as vu, ça fait glou-glou. On va faire à froid, mettons. Non, mais il faut faire un rapide 30. Là. 20 degrés. On peut mettre à 20 degrés. Ah ouais, tu veux faire un rapide 30? Ah
Il a dit pour nettoyer les trucs. Et les est-ce qu'on peut choisir? On peut choisir la température. On peut choisir, vous avez vu, on peut choisir tous les programmes à froid. C'est ça qui est bien. Mais et ce rage, il faut mettre 1200 tours. Parce que comme il n'y a rien. Bah, mais pas 800 alors. Ah, on peut pas. C'est 1000 tours maxi. Ah ouais? En rapide? C'est la pompe à eau, chouchou, non, voyons. C'est pas, oui, c'était où? Voilà. Bah vas-y, allez, petit programme, lance-moi ça. Et là, c'est pas. Ah non. Tu vois? Ah. Là, j'étais pas sur le bon, j'étais sur le voilà, ultra ça, silence. Je m'en doutais. Ok. Voilà. Allez, vas-y, en route. Ah, 1200 tours. Départ. Est-ce que c'est pas génial ça? Elle est en train de se purger en eau, on sent l'air qui passe et tout dans les tuyaux. Et là, elle tombe dans le vide. Putain, c'est dingue. Ah, elle est bien remplie. Hein. Pourquoi elle met autant d'eau? Parce que c'est le premier lavage, tu crois? J'ai aussi fait un truc à l'envers, je pense. C'est qu'en fait, j'ai mis ma sortie, vous savez, les petits U avec le tube de 40 qui sort. Donc j'ai fait un autre U qui descend en bas, qui est déjà relié aux cuves d'eau sale. Et en fait, je vais faire passer le tuyau de l'évier ici, bah, juste ici. Je vais le faire arriver directement dedans, j'ai mis un T. Et je ne sais pas si ça se fait. Du coup, je l'ai fait, on verra bien. Et vous avez été nombreux à me dire, t'as mis un T dans ta soute à l'envers. J'ai mon circuit qui descend comme ça, et j'ai mis le T comme ça. Et je vous ai dit oui, je vais peut-être pouvoir le remettre dans l'autre sens, mais en fait j'ai tout collé. Donc bon, bah, je pense que ça va s'écouler quand même, hein. On n'a pas non plus énormément de débit ici. Et voilà, ça c'est une erreur d'inattention, hein. C'est tout. Hein. Je fais que ça, des erreurs d'inattention en ce moment. On n'arrêtait pas de me le dire à l'école en plus. Hein? Parce que je vais trop vite. Ouais, mais au moins ça avance. Ensuite, pour la machine à laver, petite astuce que j'avais fait déjà dans Flash. J'ai fait une petite plaque avec des trous du diamètre des pieds. Je glisse ça sous les pieds, ce qui fait que les pieds ne peuvent pas bouger, et je viens mettre des vis à l'extérieur. Ensuite, le meuble, je viens le coller, ça ne se voit pas. Et voilà, en fait, la machine, elle est bridée, elle ne peut plus bouger. Et ensuite, il y aura le plan de travail qui va venir ici, avec quelques petits joints. Et ça, ça va vraiment la caler, et ça va permettre qu'elle reste libre, parce que quand ça s'essort, ça bouge une machine à laver. Et voilà, je ne veux pas la coller, elle sera collée nulle part, en fait. En haut, il y aura des gros joints qui gonflent. Sur les côtés, de chaque côté, il y aura des gros joints qui gonflent aussi pour lui permettre de pouvoir vibrer librement sans faire vibrer le frigo et sans faire tout vibrer à côté. Voilà. Sur ce, encore une bonne semaine de passé. Hein. On a bien abattu du boulot. Moi, j'ai vraiment un gros merci à faire à... Ah, t'as vu, sécurité enfant? Tu peux toucher sur les boutons, ça fait rien. Mais en tout cas, je tenais vraiment à remercier le magasin Boulanger à l'Atoll, à Angers. Hein, parce qu'ils ont vraiment joué le jeu, on a fait un partenariat avec eux. Et c'est chouette, quoi, parce que... C'est pas parce qu'on a fait un partenariat avec eux, mais il faut dire qu'on y allait souvent avant. On y va souvent encore. On y va souvent encore, on y va tout le temps, c'est tout le temps là où on va. Et l'accueil est super, les gens, franchement, ils sont extra. Les vendeurs, ils renseignent super bien, on voit bien qu'ils connaissent leur boulot. Et franchement, c'est top, quoi. Vraiment. Non, franchement, c'est cool. Merci à eux. Hein. Vous avez vu les petits livreurs aussi qui sont attitrés aussi, hein, ouais. Pour livrer les choses. Ils nous ont livré ça, on n'a rien fait. Ceux qui ont porté, nous, on les a regardés, c'était trop marrant. Mais c'était top, quoi, vraiment. Et puis, c'était cool. Les petits ouais, franchement, c'était cool. Vraiment, voilà. Super. Et ben, dans les prochaines vidéos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... fixer tout ce qui est machine à laver, les meubles, je vais mettre les plans de travail, ils sont découpés, ça y est, Charlotte a été les chercher, on a tout fait découper. On va monter l'évier, on va fixer les meubles, on va fixer la gazinière, on va fixer ce meuble-là, celui-là aussi. On va tout mettre bien, comme ça la cuisine, on va dire qu'elle sera finie, dans peu de temps elle est finie, parce que mes écoulements ils sont quasiment bons, j'ai juste mon arrivée d'eau chaude et d'eau froide à faire pour l'évier, et c'est bon. Une fois que ça c'est fait... On attaque enfin les chambres. Normalement, on devait faire pièce par pièce, mais non. Et moi, entre-temps, normalement, je finis le meuble de la salle de bain, le meuble de toilette, et j'installe le balatum. Ouais, tu fabriques les portes coulissantes avec les petits boutons. On refait pareil que dans la chambre. Si j'ai un peu de temps, parce que là, j'ai pas mal de boulot aussi de mon côté. Et ouais. Et je vais essayer de faire ça, de commencer dans peu de temps. Voilà. Bon, on vous laisse. On espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et nous, on est à fond, à fond, à fond. Il faut que ça gaze.
On va peut-être même bien avancer le rendez-vous de l'Adréal. On va pouvoir faire ça peut-être fin... Le 27 août, la veille de l'anniversaire de Charlotte. Et ben, on va pouvoir passer, ça se trouve, le car à l'Adréal. C'est un truc de dingue, j'aurais jamais imaginé ça. Moi je me disais genre, en octobre, on pourra le passer à l'Adréal. Et là, je sais pas, on a mis un de ces coups de turbo, truc de dingue. Là, moi je peux vous dire, semaine prochaine, ça c'est fini. Et voilà, il va me rester. Semaine prochaine, on est quelle date, fin de semaine prochaine? On est quelle date, fin de semaine prochaine? Là, on est le 17-18. Bah 17-18, ça c'est fini, je serai déjà en train d'attaquer les meubles. Donc c'est les canapés, je veux dire. On ne va même pas passer à l'Adréal. Ah ouais, non, mais c'est bon. Ah, c'est un truc de dingue. Voilà, et on va faire la semaine prochaine, normalement, la pesée. Ah oui. On va essayer de faire la pesée. Voilà, on va mettre du poids ici, comme ça va remplacer le poids des sièges. Et on va faire les pleins de gaz, plein d'eau, il faut tout faire les pleins. Ça se trouve, ils seront faits. De quoi? Bah ça se trouve, ouais. Et on va faire la pesée, on vous dira, voilà. On vous dira combien on a mis dans le bus en poids, parce qu'on a un PTAC de 18 tonnes 500. C'est un bus qui faisait à vide 13 tonnes et quelques. 13 tonnes 500 avec tous les sièges en autocar. On a tout viré, tout vidé. On a remis un aménagement. Et ben combien? Combien on va faire? Si avec Flash on l'avait pesé avant et après, oui, mais là on l'a pas fait. Donc on sait pas, mais on saura toujours combien il va peser. J'aimerais bien pas dépasser 13 tonnes 500, grand maxi 14 tonnes, mais franchement, s'il fait 14 tonnes, j'aurai les boules. Ah bon? Faut qu'on roule au plus léger. Et on a le droit à 15. On a le droit à 18 tonnes 500. Mais bon, voilà, c'est pas une raison. On verra tout ça, affaire à suivre. Allez, gros bisous à tous, prenez soin de vous, amusez-vous bien et bon week-end! Bye bye, à dimanche. Demain. À dimanche, ouais, à demain pour le live. Allez, bisous les bandits, tchuss. Bon, et bien voilà, on peut dire que nos passeports sont faits, enfin sont faits, les demandes sont parties. On est le combien? On est le 7. On est le 7 et on vous tiendra au courant, savoir combien de temps ça a pris. On est tombé sur une dame super gentille à la mairie de Noyant, là dans le 49. Super efficace en plus, faut le dire. Franchement, on avait rendez-vous à 14h30. On a mis même pas une heure. Même pas une heure la pour vache. Faire 6 passeports. Un truc de dingue. C'est 15-20 minutes. Et en plus, elle était agréable. C'est trop chouette. Du coup, on vous tiendra au courant, savoir combien de temps ça a pris, hein, si ça peut vous servir. Voilà. Allez, à tout à l'heure. On a du boulot, nous. Hein? Hey, oh, hey, oh, hey, hey, oh, oh, ah.